semeine na biso ndenge boyebi bozalaki na biso depuis libandeli ya semeine oyo na mokolo mwa lelo toyei ekosukisa yango tolobi matɔndo mingi na bakongole nyonso bazosunga bakonzi ya mboka matondo mingi na bakongole oyo bazosunga bayei nyonso bazobetana sirlelyn de frand eke na mokolo wa lelo balobi na bango esengeli básala makambo nyonso mpo ekende liboso mpona mokolo mwa lelo tokolobela basango ebele notama ya makambo oyo ya politike ezoleka na kati ya mboka na biso mais également na sécirité oyo ezoyokama partou eke bafrdc bazo avance sur le ligne de front ma kolobela na mokolo mwa lelo eza nini au juste oyo esengeli to retenir soki toza na bandeko na biso bazobunda soki toza na bandeko na biso oyo bandimi lelo eke esengeli básala kaka bitumba rien kue bitumba pourke barecipere bateritwire oyo bisika banguna basi bafanda nini esengeli toyeba lelo likoló ya bitumba oyo boyokani ke na kati ya teritwire ya routuru barebele du 123 bazosibire perte charge énorme na mokolo mwa lelo nini esengeli tomemela bino na mokolo mwa lelo boyokaki eke mokonzi ya mboka afandaki na badepité nyonso ya unio sacré bazalaki na échange na kati na bango nini lelo esengeli to retenir apres échange oyo mokonzi ya mboka azalaki nango na badepite nyonso wana balobaki nini analise nini esengeli tomema likolo ya makambo oyo balobelaki kati na bango discussio na bango réunio na bango

unisacre uh, wana bit na ngo eza pourke bamona boni bakosangisa na kati na bango pourke basalela mboka elongo bayokana na kati na bango porke bamona soki mboka ekokende liboso na makambi na bango me na mokolo mwa lelo tobandi koyoka nde na kati na bango nde badivergence ekomi na kati na bango ya de mals entendu na kati na bango kofingana ekomi na kati na bango bacoruptio e ezotambola na kati na bango ba antivalere oyo ezotalema na kati na bango badétournema na kati na bango kimoibi ya mbongo ya leta na kati na bango ba antivalere na kati na, 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 ba anti na, na bango ah me mokonzi yamboka atelemi alobi eyokani te ke eloko oyo ekomi lokola ngai motu natelemeli eband koyokamabongo esengeli tovanda toyokana nsi baandaki lobi nsi bavandaki lobi badepute nyonso nationa ya unio sacre bazalaki wana barepresentat ya ba platforme politie ya ba regroupeme politique bango nyonso bazalaki wana ekesklfonote alors tokobandela na propos oyo mokonzi ya mboka alobaki Je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde à de nouvelles élections. Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, en sa qualité de haute autorité de l'Union sacrée de la nation, a réussi ce vendredi 17 mai 2024 à la cité. De l'Union africaine, 46 députés et chefs de regroupement politique, membres de sa plateforme Union sacrée de la nation, ISN. Lors de cette rencontre, le président Reli a fistigié ce qu'il qualifie des antivaleurs enregistrés et constatées aux législatives précédentes toute amenasa de dissoudre l'Assemblée nationale si ces pratiques persistaient. Législature o etikeli koleka e a registra ki nini. Nini to observa qui. Nous avions vécu la corruption à ciel ouvert. Batu oyo basimba ki basomela ki bango mituka. Batu oyo ba pesa ki bango mboko. Mbongo plutôt. bato oyo bakomaki bozomona moto azokende tina centre de vote avec l'argent tomonaki yangoya des video kiocircule na bakindo kuna tomonaki yango akoma esi tomonaki bavideo ya bakandida boni balalaki na bacentre de vote cet dire meme mokonzi ya mboka ayebi les antivaleur ispase apays ayebi Qu'est-ce qu'il voulait insigner dans ses propos? Certains analystes font savoir qu'il voulait seulement mettre en garde ces gens. Certains d'autres estiment qu'il est important qu'ils sanctionnent même sans prévenir. Comme ça, les gens auront peur de faire le mal tout en sachant que ce qui sali, ils ont autorité morale à a Il promet de dissoudre dissoudre je dis bien dissoudre Kosuki Kokabola Kometre... Kometre suka Yalikambo... Kopanza Yango Assemblée nationale et renvoyé à de nouvelles élections ce qui va pratiquer ce qui va Valeruana et continuer pour réussir son deuxième quinquennat le président de la République a appelé le député national et chef de regroupement politique, membre de sa méga plateforme, à travailler d'arrache-pied pour élever les défis sécuritaires et sociaux du pays. Nous devons faire de ces défis nos priorités. J'appelle à l'éveil de votre conscience collective. L'air a signifié? nous devons faire de ces défis nos priorités esengeli to sala priorité ba défi wana ezala priorité na biso il s'adresse au député nationaux et chef de regroupement politique esengeli to sala yango ba priorité na biso détournement ya mbongo Et commis, et commis le collègue Yokama Kité. Toutes ces mises en garde interviennent au moment où une centaine de députés nationaux de la majorité parlementaire tournent les dos au ticket du bureau définitif de l'Assemblée nationale, présenté par le présidium de l'Union Sacrée. Ce ticket propose Vital Kamere. Jean-Claude Tchulumbu et Christophe Mbosso, au poste respectif des présidents, des premiers vice-présidents et des deuxièmes vice-présidents, Jacques Njoli, rapporteur, Chimène Polipoli, Kester, et Caroline Bemba, Kester, adjointe adjointe plutôt. va bah proposer Boé. plus de 100 députés à l'obité. Liste ou anatomie de bangote, candidat ou ma Et maintenant, une question qui revient aujourd'hui. De savoir, si maintenant, au sein de l'union sacrée, le problème est bandit l'Union l'élo, le problème est bandit wapi, dans l'union sacrée, au sein de l'union sacrée, nous devons diviser parce qu'on ne saura pas aller avec une ensemble. Qui va installer le gouvernement Et l'Assemblée nationale? Mais comment est-ce que l'Assemblée va installer le député? ECO, ECO le ministre, s'il vous plaît. Pendant que Bango Moko Kanate, Bango Moko Comment est-ce qu'il va amener l'ordre au pays? Comment est-ce qu'ils vont songer? o problème de lest oyo oh, mokonzi azobenga bango basala yango priorité emadre sirtout na bakonzi ya mboka resortican ya este probleme wana esengeli bolata yango elata nzoto bosala yango priorité na bino moko azoloba te eza na bato bakosala yango owi toyebi eh, me so yo nanu no, osali yango te yo kanisinan ya kosala yango ainsi c étai prévu ajourd'hui lélection ya bureau définitif ya assemblée nationale parceque esengeli mpe gouvernement ebima nani akoinstalle gouvernement ekobima sans que assemblée nationale ezala installe bureau définitif na bango électioezalaki prévu lelo ma kovoir makambo nyonso ezosalema élctiorapporté À une date ultérieure. Toi Viens Bosso Tikaliwana. Azawana. Il est là. Il est là. Azana Azawana. Viens Kodia. Azawana. Il n'y a plus d'élection aujourd'hui. Élection est. Aujourd Initialement prévu ce samedi 18 mai. Les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont reportées à une date ultérieure. là c'e après que le président de la république afandaki na ba député ya union sacré badiskute kati na bango basololi kati na bango epuis sera compte que esimbi te bareporte ba élection et-ceque nous pouvons être sérier une fois en air desse e-ceqe tokozala sérier mokolo moko ka biso tolobi ifaut tozala sérier pourquoi on est pas sérier pourquoi on veut faire chaque chose problème pourquoi lélo eza dossier boé lobi eza dossier boyé pourquoi nous appelons les autorités compétentes à voir comment est-ce que moconzi a mboca sunga biso vous êtes la seule personne autorité morale à plateforme wana lelo a quo décider decidez ceque vouspouvez decidez ce que vous pouvez, pouvez. lendi badossier mosusu ezali mbusa candidature na ye écarte ya alobi ya kondima te azo saisir bakour kuna ya azo saisir alobi te ya kondima te pourqui nepas accepte sequi se présente pourqoi pourquoi, pourquoi? bondimaka Voilà donc, à ce qui concerne l'élection qui était prévue aujourd hui, aujourd hui, au jour d'aujourd'hui, mais au-delà de ça, à ce qui concerne la rencontre Oyomokonzi, Azala député à inyo Sacré. Il promet, il menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Il menace de dissoudre Vamos sousbalobi na contexte ya koloba il promet alo bina ye que soki ba antivaler wana et continuer a go buka ensemble a tindi bango na yasika. Ba elections ya sikka Alors deuxième point na biso e kozala oyo oh bazo tozolo belao avoir la fin de la coopération militaire FARDC YUPDF depuis quelques jours, il y a au moins deux semaines passées, pour ceux qui sont fidèles à nous, je crois à Yoka chefs le chef d'armée, il y a Uganda, le chef d'état-major, il y a Uganda, le chef d'état-major congolais, Bakutanakina Grano. Là, je parlais de Christian Tiwewe, et le fils aîné de Yoweri Museveni. bocup de question ont été posé autour de sette situation bakongole mingi ya diaspora babengaki biso koloba komanca asexplike kue uganda eza parmi bayeyo bazosunga m23 mai bakonzi bazokutana boye ndenge nini c'est une question ki nouza été posé par la population la population du nord kivou kisplane au qotidien Que l'UPDF est au sein de M23. Les Oazalendo qui dénoncent ça au quotidien, que Mousseveni soutient la rébellion du M23. Ce sont les personnes qui combattent aux côtés de FRDC et qui combattent tout en voyant que l'UPDF Mais cela n'avait jamais été annoncé par qui que ce soit, autorité congolaise

exploiter mais aussi, mais aussi, ici à Béni. Les Ougandais créent l'insécurité pour piller. Tous ça la Bango ça la Mais cela n'avait jamais été entendu, dénoncé par une autorité quelconque. Et c'est maintenant hier où? Les renseignements congolais ont récolté des preuves de l'implication de l'armée ougandaise aux côtés des terroristes du M23. Ces preuves viennent confirmer les accusations de la population locale qui avait déjà alerté sur le soutien de l'Ouganda aux terroristes M23. Le commandant suprême Félix Antoine Tisekedi a décidé de mettre fin aux opérations conjointes FARDC et UPDF. mokonzi ya mboka alobi te mm -mm. wana efoto kata selon le media africe intelligence article bakomi koloba Mok mokonzi ya mboka ya rdc aboyi opération suja kele l importance ya opération wana ezalaka na beni oyo esangisi ba frdc na ba updf basalaka patru elongo koza baposte baposition moko baupdf bazi wapi bomona yango ou eceque ona observé on a ja on akise les ouganda citu leja abeni onamene les ougande pour securizer la zone ya beni mai leja continue amourir sana pas d importance esengeli tokata cooperatio wana ainsi bakonzi bazodecide eboni kokata coopération militaire na uganda Banda compensé que tous les appels Bandeko, ils ont battu Oyo Bazo, poignardé biso dans les dos. Certains analystes congolais vont plus loin pour dire, le président comprend qu'en retard, mais nous lui avons dit qu'il ne fallait pas faire confiance ni à Kagame, moins encore Uganda. et au-delà de ça, ni même Kenya. Il y a des gens qui le disent. Qu'ils sont des hypocrites. Kubandela Uganda, Tolobela Kenya, Tolobela Rwanda, Eza hypocrite, Oyo Bazolinga, Baya Kakakomonisabisso Mino, pour que Baï Babisso. Il se fait passer à nos amis par apparence, pourtant il nous poignarde dans les dos sans qu'on le sache. Après la récupération de la cité de Vichumbi, par l'armée congolaise Selo Kinshasa, le FADC et le Wazalendo foncent sur Rwindi. Une source sécuritaire affirme que les jeunes résistants ont pris le contrôle de Rwindi ce vendredi soir. Le gouvernement congolais a confirmé que Vichumbi est passé sous le contrôle de la force loyaliste. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a déclaré que la montée à puissance continue et que toutes les localités seront libérées. Après la libération de Kibirizi et Vichumbi, plusieurs localités ont été libérées ce vendredi par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendo. Les agglomérations de Mutuza, Mbizo, Bukuba... Kasasa... La localité de Rwindi... Aussi sous contrôle de la FRDC... Depuis la soirée de ce vendredi... Nous allons continuer à victoire... Victoire sur victoire... Rwindi... Kibirizi... Vichumbi... Boalanda, Kikuku... Il reste qu'à prendre également... Euh, Nyanzale... Après, les va prendre la direction pour au Centre et ainsi on sera en train de récupérer Routourou petit à petit. Je signale ici qu'il y a des Jeep et des Kamas qui sont venus pour renforcer cette coalition et cela a été détruit par des artilleries lourdes. Il, y a Il faut aussi signaler que les FRDC continuent à se battre au fond de leur cœur pour récupérer l'intégralité de notre territoire. Dans le territoire de Massissi, il faut signaler aussi que ces derniers continuent à se battre en appui avec les Wazalendo, pour voir comment est-ce qu'ils vont libérer Rubaya. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. J'étais Youssouf Okibingila, David, journaliste d'investigation. Basé en République démocratique du Congo, je reste disponible plus 243 au plus 243 993 46 71 93. Et Ray week-end à vous et à ce lundi pour d'autres actualités.